Ils sont pas là, tu veux qu'on mette les petits là, c'est bon. Bonjour à tous, c'est en direct de la Pastourelle avec les deux premiers du 53 km. Donc on avait eu la chance de rencontrer François hier qui nous avait dit qu'il allait le faire, c'était une course de préparation. T'as gagné François avec un super chrono, 3 minutes devant Fabien. Comment s'est passée cette course avec les conditions assez difficiles? Bah, je pense que les conditions étaient difficiles pour tout le monde, on a quand même bien galéré. Au début moi j'avais les jambes, je me suis contenté de suivre un petit peu le groupe. Pendant une vingtaine de kilomètres, on était 4 ou 5, là c'était bien sympa. Je pense que vu les conditions, on est resté en groupe, c'était bien sympa. Puis après assez vite on s'est retrouvé avec Fabien devant au pied du Puy Marie si je ne me trompe pas. Et puis voilà, on a fait un bon bout de chemin ensemble, c'était bien sympa. Et voilà, on a quasiment, on va dire, bouclé le parcours ensemble jusqu'à l'arrivée. Du coup, Fabien, à quel moment François a pris un peu le pas sur toi et dans quel, en descente, en montée, où c'est que tu as eu un peu de mal à le suivre? Eh ben moi, c'est le problème, c'est souvent la descente. Donc du coup, voilà, en descente, j'ai senti qu'il était un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus technique. Donc du coup, j'ai pas pu suivre à ce moment-là. Après on est resté avec une minute d'écart pendant assez longtemps. J'ai essayé de revenir et voilà, je finis pas très très loin, mais la dernière bosse, on va dire, a été fatale parce que je commençais presque à être en hypo. Avec François, on s'est un petit peu promené, c'est vrai, pendant 20-25 km. Et je pense que François, quand il se prend à peine 25 km, il est encore tout frais. Donc il a fait une dernière montée, je trouve, très solide. Et moi, j'avais espéré revenir un peu dans la dernière montée avec mes qualités de montagnard. Mais il manquait un peu de fraîcheur sur la fin, un peu de jus par rapport à quelqu'un qui est habitué aux longues distances. Et du coup, François, bon, t'as pas pu admirer le paysage. C'est dommage parce qu'on a vraiment un magnifique département. Donc tu reviendras? Ouais, je pense que je viendrai l'été, puis même les enfants ont bien envie de découvrir les sentiers aussi, donc je reviendrai, et puis si jamais je ferai un petit tour avec Fabien, maintenant que je le connais, on ira courir tous les deux. Ouais, ça marche. Super, bon merci les gars, bravo pour vos performances, et puis à bientôt. Merci, salut. Merci les gars, merci François.